Monsieur le Président du Comité international olympique, je vous prie, conformément à l'article 57 du règlement des Jeux, de bien vouloir inviter Monsieur le Président de la République française à proclamer l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver. J'ai l'honneur d'inviter le général Charles de Gaulle, président de la République française, a proclamé l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Cette mode est récente, de donner figure humaine au masque des gardiens de but. Ça permet en tout cas de les distinguer mieux que leur visage.
Les soviétiques dominent le tournoi. En moyenne, 48 buts rentrés pour 10 reçus. C'est l'équipe la mieux construite, la plus cohérente. Chaque joueur est à sa place. Les solistes les plus brillants se brisent contre cet orchestre. Ils ne seront battus qu'une seule fois par les Tchécoslovaques.